Bien. Peut-on se passer du regard d'autrui? Alors, pour répondre à cette question, il faut avoir en vue la finalité. En vue de quoi aurions-nous besoin du regard d'autrui? Évidemment, spontanément, on se dit pour se sentir exister, pour être quelqu'un. Et si je dis exister, ça vous fait peut-être penser à Descartes. La proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Avec cette phrase, Descartes affirme ce qu'on pourrait appeler la primauté du sujet. J'existe d'abord par moi-même et éventuellement, secondairement, les autres existent. Mais vous le savez, la pensée contemporaine dit les choses dans l'autre sens. Pour elle, l'homme n'existerait d'abord, comme le dit l'écrivain Saint-Exupéry, que par ses liens, que par les regards des autres qui, en quelque façon, lui donnent d'exister. Et vous, à votre avis, est-ce qu'on a besoin du regard des autres pour se sentir vivre? Justine? Bah, pas forcément. On s'en fiche de ce que les autres pensent. Je veux dire, de toute façon, il y aura toujours des gens pour se critiquer les uns les autres, alors... Oui, mais est-ce que tu penses pas qu'on a besoin de ses proches ou même des amis en général pour se sentir vivre? Bah... Bon, c'est la pause. Un débat intéressant, mais je sens que vous êtes un peu à court d'énergie. On reprend après, hein. Ça va, Charlie? Ouais. Il chope l'autre et il lui fout le couteau dans la bouche. Non. Ah, c'est énorme. Ouais, c'est et il se passe quoi après? Oh, je te raconte pas. Je te laisse voir le film et on en discute, d'accord? Ok. Et ça fait penser d'ailleurs à ce que j'ai vu l'autre fois. Ouais. Sur un mec. Ouais, au pire, on s'en fout, hein. Moi, j'ai vu ta mère hier soir, je vais pas raconter ce qui s'est passé, hein. Et comment c'est quoi? T'es vraiment une fuite, ça va, Charlie? Yo. Yo. Oui, donc, je vous disais que la dernière fois, j'ai vu un reportage. Il y a un mec, il a failli se faire tuer par un autre gars à Paris. Ouais. Il s'est fait courser dans toute la ville. Juste parce qu'il a demandé une clope. Sérieux? Ouais, ouais. Non, putain, n'importe quoi. Ouais, c'est clair. Pourquoi tu rigoles, là? Parce qu'en fait, là, je suis en train de t'imaginer essayer de courir pour ta vie, tu vois, à la place du gars, là, et l'autre, il est derrière, il marche, et puis il te rattrape. Oh, ta gueule. J'aurais même pas besoin de courir, le mec aurait trop pitié de moi pour me tuer. Oh, oh putain, Charlie, tu t'autoclash. Bon, en même temps, je pourrais parler de ta gueule, mais je voudrais pas trop en rajouter. À force de te faire sodomiser, tu finis par plus marcher droit, alors qu'est-ce que tu parles de ma gueule? Eh, parle pas trop, t'as la mèche qui part de côté à force de trop sucer, oh, mon gars. Oh, mec, tu me fais trop taper des barres. C'est ta vieille tête qui me fait taper des barres. Oh putain. Et sinon, tu racontes quoi? Oh, pas grand-chose, je suis juste un peu saoulé en ce moment. C'est sûr que tu vas démarcher avec bourré, hein. T'es con, mec. Mais là, je te regarde, mais Charlie a raison, hein. T'as vraiment la gueule qui part sur le côté. Tu te rends compte? Si ça continue, je vais avoir la même sale gueule que toi. Parce que tu la trouves encore potable, là. Bah, totalement, ouais. Et c'est là, là. Ouais, ouais, faut prendre. Ok. Bon, Charlie. À toute, bande de salope, tout à l'heure. À toute. Ouais, et donc, il s'est passé quoi après? Il y a eu des poursuites, il y a eu quoi? Bah, en fait, après, il y a la police, tu vois. Justine, tu reprends ce que tu disais tout à l'heure. Oui, donc, je disais que je pense pas que je pourrais vivre sans les autres, mais j'ai pas non plus spécialement besoin d'être beaucoup entourée pour me sentir bien. C'est un point de vue qui peut se défendre. Justement, on renverse en quelque sorte les perspectives. Peut-on d'abord par lui-même se passer par lui-même, spontanément, on peut se dire, on va creuser ça tout à l'heure. Pour exister, pour se sentir exister. On a besoin de la présence ou du regard des autres pour se sentir être quelqu'un. C'est tellement mal foutu qu'on dirait de l'art. Et ta gueule, c'est de l'art abstrait. De l'art abstrait. Oh. Oh.
Dégage! Casse-toi! Vu que t'as assisté, t'as aussi besoin d'aide pour te torcher? Non, et toi, t'as besoin d'aide pour... Ça te dérange pas de vivre sur le dos des autres? Franchement, tu devrais cacher ton corps, au lieu de le montrer partout. T'as été fini à la piste, non? Toi, malandrin, souillure, engendrement de gangandine, homme du bas peuple, sans rapport. Boiteux, triso, déchet, minable, déchet, boiteux. Et alors, on a bien compris qu'on ne pouvait pas se passer de regard des autres pour être soi-même. Alors, la prochaine fois, on parlera de la même question, mais vis-à-vis des autres cultures, des autres civilisations. Je vous remercie. Non, celle avec des atouts là. Et c'était chez qui? Bah c'était il y a pas longtemps. Au revoir les gens. Au revoir Charlie. Ouais. C'était qui? Vous parlez de quoi? Bah on parlait de soirée et puis j'allais lui dire que j'avais fait une soirée chez Paul. Et vraiment je m'étais fait chier tu vois. C'est normal, c'est chez Paul mec, tu t'attendais à quoi? Une ambiance de fou et tout. Ouais j'avoue que niveau ambiance c'est vraiment une merde. C'est Paul. Ouais. Et puis tant que j'y pense là, vous connaissez Matt? Ouais. Lui par contre j'ai fait une soirée avec lui et ça a déchiré. Et j'ai pensé à toi cette soirée. Ah. Bah pourquoi? Bah je me suis dit en fait que si t'y avais été, t'aurais pris ton pied mec. Oh la pute, ça fait une noix. Ça me fait une belle jambe. Oh, oh t'as ton putain mec chaleur, Mais je veux te dire un truc, tu m'habitues à mieux quand même. Ouais j'ai pas rien, je suis pas mieux de ma forme là. C'est le cas de le dire. Oh t'es une salope, Mais c'est mec, on s'en fout de la forme de mes jambes. L'important c'est la volonté qui peut m'emmener n'importe où. Mais surtout jusque lit de ta mère. Oh mec, t'es une vraie putain. T'abuses ma fille. T'abuses ma fille.